Oh! Oh non. Pas elle! Tout sauf elle, j'ai rien demandé. C'est donc ça, Paladin! Ok, Nimrod, j'ai compris. Non, oula, elle m'a remarqué, elle m'a remarqué. Elle m'a remarqué, non! Non, non, le chien, non! Non, me suis pas! Arrête de me regarder! Faut pas qu'elle me remarque! Salut les gens! Ce qui va suivre est une partie de mon streaming sur Twitch que j'ai transformé et upload sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch et Discord pour connaître mes prochains lives. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu pour me soutenir. Allez, bon visionnage! Salutations à tous, nous revoici sur un live. Juste petite information sur ma voix. Si ma voix a un petit peu changé, c'est parce que j'ai pas le même casque que d'habitude. J'ai oublié mon casque à mon appart étudiant. Du coup, j'utilise mon micro-casque que j'utilise sur téléphone. Mais bon, j'espère que ça reste compréhensible et clean. Pour ce que l'on va faire. Donc j'ai une étoile à fond d'approche, une quête d'histoire, une quête d'aimande, trouver des 50. Ah ouais, celle-là, je me rappelle. On va plutôt faire les petites quêtes comme ça. Ah. J'ai plutôt envie d'aller frapper. J'ai pas envie d'aller parler avec des gens. Je suis insociable. Un ou deux, ma petite Noël. Ho. Je le reconnais ça. C'est du potentiel. Attends, je vais te faire descendre déjà. Je l'ai pas fait descendre, je suis dégoûté. Ah oui, c'est vrai que je dois brûler cette merde. Quand c'est bon, la vitesse d'attaque est lente. Je pensais avoir boosté ma vitesse d'attaque. Ah, faut que je... Donne ton bouclier là. Et toi, descends ici. Merci. Maintenant, chiner. Oula. C'est quoi cette vision des choses? Ich, ich, ich. C'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait les éléments à faire interagir. Oh non, pas les secours. Et c'est l'heure du tourbilol. Because why not? Et voilà, ça c'est fait. Tu parles trop. Tu parles trop, Borson. Tu peux arrêter de parler? Tais-toi, merci. C'est vrai que j'ai des ailes. Ah oui, s'il y a bien une règle avec moi, c'est que je n'utilise jamais les escaliers. Les escaliers, c'est pour les faibles. Si on a donné le système de grimper, c'est pour c'est pour s'en servir. Ce ne sont que des paroles en l'air, se repentissent. Peut-être peut baisser le son encore. Voilà. Mais ce sont que des paroles en l'air, s'ils ne repentissent pas, non. Par exemple, Nico m'a confessé un problème avec l'alcool et... D'accord. Ramenez-moi une preuve s'il s'avère encore de boire. Donc on va espionner quelqu'un, d'accord. T'en fais pas Victoria, on est les meilleurs espions du monde. On va d'abord commencer par se téléporter parce que flemme de marcher. Et ensuite, on va les espionner.
Hop là. Je dois rester sneaky, je dois pas me faire voir. C'est de l'espionnage professionnel. Et pour ça, il faut monter sur le toit. Haha, voici notre cible. Pauvre fou. Il ne va pas me voir arriver. Hop. Je vais arriver tout doucement derrière lui. Tout doucement. Merde, il m'a pas vu, ok. Je voudrais bien, mais j'ai arrêté de boire, d'accord. Tu rigoles, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, il me regarde pas. Bref, elle est juste... Mais attends, vous parlez trop vite, d'accord. Si c'est bruit... Mais arrêtez de parler vite, là. Restez pas loin de... D'accord. Bon. Alors, j'ai pas compris s'il a arrêté de boire ou s'il a continué à boire. Il faut bien que je lui offre un petit quelque chose de ma part. Hé, hey, Rimdam, cadeau! Bonjour, sœur Victoria. Alors, qu'est-ce que vous avez des nouvelles d'Imrod, mon enfant? Je suis pas ton enfant, déjà. Imrod est resté sobre aujourd'hui. Ah bon? Le problème, c'est qu'on ne peut pas vous le prouver. C'est pas grave, il n'y a aucune preuve de son ébriété. Quoi? Ça veut dire qu'il est sur le bon chemin? Je crois en son innocence, jusqu'à preuve du contraire. Mais quand les preuves de conduite discutable, ça m'encèle... Je galère de fou à lire, c'est un truc de malade. C'est assez marrant, d'accord. Prenez ça en guise de remerciement, je pourrais confesser. D'accord, ok, merci. Et elle a utilisé sa technique de disparition intense. Ce n'est pas grave. Nous allons passer à la mission suivante. Alors, c'était ça qui donnait plus de moment speed. Allez, let's go. Voilà, j'ai fait un nouveau record, obligé. Des soucis givrés. D'accord. On se trempe. On mouille. Et on frappe dur. Et on se congèle. Descends de là! Tu me fais perdre mon temps. Merci. Oh oh. Oh non! Je fais juste ça pour le heal. Hop, hop. Hop là, t'es congelé. Hop là, t'es congelé. Non, pas encore. C'est pas grave. Toi, je te pète le bouclier. Faut combattre la glace avec la glace. C'est ce qu'on m'a appris. C'est faux. T'es congelé. Allez, voilà, t'as plus de shield. Maintenant, meurs, STP. Tu me fais perdre mon temps. Meurs. Meurs, meurs, meurs. Voilà, merci. Hop là, mission terminée. Maintenant, je me casse d'ici avant que j'aie les germes. Donc, la cité flottante, le vent sud-ouest souffle tous les jours. Parler à Sarah. Ah, putain. Mais est-ce que je suis obligé de besoin de parler avec elle? Hop, grimpons. Je sais qu'on peut pas grimper. Hop, voilà, parfait. Salut, chaton. Hop. Salut, Sarah. Comment vas-tu? Ne me traumatise pas. Oui, je vous trouve enfin. Je peux faire quelque chose pour vous? Le restaurant? Ça ira, merci. Oui, hein. J'ai bien mangé en fait. Hein, quoi? Pourquoi? J'ai besoin que vous m'aidiez à transmettre un message à la grande maîtresse. Ok. Tu cherches le pantalon ou tu cherches la fille? Vous la connaissez personnellement? Ah, bien sûr, on est du même bord. Disons qu'on s'est déjà rencontré. Moi, je suis son loyal serviteur, bien sûr. Ah, please, step on me. Non, je rigole. Ne faites pas attention à ce que disent les classes en particulier. Je vois pas de quoi tu parles. Revenons à nos moutons. Que voulez-vous dire à Jean?
Dites-lui que je suis désolé de ne pas pouvoir me rendre au quartier en général en personne. Le restaurant est plein à craquer ces derniers temps. La route qu'on utilise pour les livraisons vers Debo a été bloquée. Ok, par des bricolacus. Ah bah vous avez besoin d'aide, c'est ça? Fallait le dire. Pourquoi vous demandez à Jean de l'aide alors que vous avez devant vous le meilleur des chevaliers? Mademoiselle, vous gâchez la vue là. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites à Paimon? Arrêtez de toucher Paimon. Vous faites quoi, mademoiselle? Mademoiselle, vous êtes sauce. Vous êtes très sauce. Ouais, c'est ça. Partez. Partez comme si de rien n'était. Et ne revenez jamais. C'est ça. Partez. Qu'est-ce qu'il sait que c'est délire? Tout le monde fait vraiment confiance à Jill. Charles, le barman. D'accord. Mm-hmm. D'accord, ça marche. Nous allons voir Charles. Acte 1, Léo Minor. Journée de repos pour la grande maîtresse. Grande maîtresse? Hmm. D'accord. Et j'ai mes clics et je me déteste. J'appuie toujours sur A au lieu de Q-spell. Au lieu du Q. Pourquoi je dis Q-spell? Je suis pas sur l'OM. Alors, que devons-nous faire? Paimon? STP, qu'est-ce que devons-nous faire? Même si je sais quand je dois aller parler à Charles, mais il est où Charles? Parler à Charles. Il est où Charles? Charles! Charles! Charles, putain, t'es où? Ils ont parlé de bar, est-ce qu'il se trouve au bar à côté? Ce bar-là, ce fameux bar. Ah bah, Charles! Charles! Croyez que c'est un bar à jus de fruits ici ou quoi? Alors, je suis pas un enfant. Je suis majeur. J'ai 24 ans. Mais je bois pas. Merci. Je voudrais bien un jus de fruits. Bien dit, Paimon. C'est pour les nouveaux protégés de la grande maîtresse. Grande maîtresse. Hein, quoi? J'ai pas envie de parler avec toi, blablabla, blablabla, blablabla. Je veux de l'action. Je veux de l'action. C'est pas grave. Paimon me fera un résumé sur la route. Informer Jean des demandes des habitants. Elle est où, Jean? Merci. Hep, 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 hep. Nope. Pas les escaliers pour moi. Aha. Ça, c'est ce que j'aime voir. Quand on me demande de grimper le mur. Dites ça. Non, ça, j'aime pas. Je prends un raccourci, alors. Hop là. Ils ne le verront jamais venir. Je suis aussi sneaky qu'une truite. Pourquoi avoir des escaliers alors qu'on peut grimper facilement les murs? On est Spider-Man. Alors vous n'avez rien vu les gardes, je viens juste d'arriver comme ça tranquillement. Hey, you two. Margaret! Ouais, la minute, c'est pas toi qui a fait des choses à Paimon par pur hasard là? Ah, elle nous a entendu parler, du coup elle nous espionne. Oh, son chat a disparu. Tu veux dire Diona? Ok. Oh mon dieu, il faut... Je vois pas de quoi tu parles, Paimon. Elle est juste mignonne. Le pauvre, faut que j'aide ce chat. On a autre chose à faire. Paimon, il y a des principes. Il y a des choses essentielles dans la vie. Quand un chat est perdu, faut l'aider. On peut rien... On peut pas... Non, Paimon, je veux sauver ce chat d'abord. Quoi? C'est Jean le chat? Oui, je voulais voir si Jean pouvait m'aider à chercher mon chat.
Vous demandez vraiment beaucoup trop de choses au chevalier. Mais en même temps, je peux comprendre parce que un chat qui se perd, c'est très important. Mais rien de mal. Comment ça, tu abuses un peu quand même? Moi, j'appellerais même l'armée s'il faut chercher mon chat. Un verre à la queue de chat plus tard. Hein, le restaurant, c'est la queue de chat. Ouais. Là, je suis fatigué. J'avais mal compris le truc. Un verre à la queue de chat. Paimon, laisse-la partir. Je sais quelle est ma prochaine mission. Sauver Monsieur Prince. Tu sais, Paimon, hein, on n'est pas obligé. Jean n'est pas obligé de chercher ce chat. Moi, je veux bien le chercher, le chat. Parlez à Jean. Ouais, à l'intérieur. Je déteste cet endroit. Excuse-moi, Porthos, je vais te passer. Voilà. Entrez dans le QG. Bonjour. Elle s'entraîne, j'aurais pas dû la déranger. La grande maîtresse super. Paimon, tu vas un peu fort, moi je l'appelle Jean. Hein? Jean la toute puissante. Paimon, tu vas encore trop loin. Moi je l'appelle Jean. Ou mieux, la demoiselle au pissenlit. J'avais l'esprit ailleurs. T'inquiète, ça m'arrive souvent. Donc là, est-ce qu'on était? J'avais l'esprit ailleurs. Oui. Oui, Jean, en fait, il y a un chat que tu dois chercher, mais j'ai envie de chercher à la place. Oh non. Oh non. Jean al Corona. Fuyez. Oh non, la pauvre, elle est malade. Pourquoi elle voit flou? Jean? Oh non. Non, elle est malade. Jean se sent un peu mal, voyageur l'a amené dans la cathédrale pour demander de l'aide. Mais amène-la à l'hôpital, pas à la cathédrale. Wait, la cathédrale c'est l'hôpital. Oh shit, Barbara. Ah d'accord. Ouais, ça c'est la volonté de chevalier. Je te respecte, Jean. Pour la peine, je vais faire tout ton travail à ta place. Par où on commence? Par le chat, prince. Jean travaille toujours d'arrache-pied pour se... Ok, d'accord. La pauvre se surmène sans arrêt et ne prend jamais soin d'elle-même. Pourtant, elle est très belle. Vous avez l'air vraiment sus pour Barbara. Qu'est-ce que je raconte, pauvre Jean? Oh, arrête de m'appeler chevalier. Exactement, c'est pour ça que j'ai envie d'aller chercher le chat prince. Et personne ne m'arrêtera. Vous voulez en venir, mais les autres chevaliers seraient plus à même de le faire. Les autres chevaliers, ils savent pas faire leur boulot. Moi, je sais faire le boulot. J'ai réponds pas mal, un peu d'expérience, c'est pas mal. Entre QG, ça va rester avec Jean. Yes, je vais emprunter le bureau de Jean, je vais devenir chevalier moi-même. Ah mais oui, je suis déjà chevalier. J'ai l'impression qu'elle essaie de se débarrasser de nous au plus vite. Hein? Rien, on vous laisse. Allez, en route est claire. Pourquoi tout le monde est méchant? Je suis chevalier. Je suis chevalier. Mais avant ça, faut que j'aille m'assurer que Jean va bien. Fuck, la porte est fermée. Je reviendrai plus tard.
Non, 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 c'est pas lui que je voulais voir. J'ai vu une femme avec un chat. Est-ce qu'elle a retrouvé Prince? Ça tombe bien, je vous attendais. Oh non. Qu'est-ce qu'il veut? On behalf of all of the Knights of Favonius, allow me to express my sincere gratitude for your assistance. Écoute, on voulait juste lui parler, elle s'est écrasée devant nous, donc on l'a juste emmenée à l'hôpital, enfin à la cathédrale. C'est tout. Ça cache quelque chose. Hein. Ça cache qu'il va y avoir encore plus de boulot, encore plus de chatons à sauver. Well, the circumstances warrant it. This is the acting grand master herself we're talking about. J'aime pas le mot grande maîtresse, arrêtez. Now, in addition to that thank you message, there was one other thing. Une récompense? I must say I like your style. Non, alors c'est une récompense ou pas? But before we can discuss a reward, there are some things I hope you can assist the knights with. Qu'est-ce que je dois faire? Things like helping to fill in for Jean. Remplacer Jean? Although the commissions you reported to Jean have already been handed off to someone else. Toutes les demandes qu'on vous a demandé de transmettre est déjà été confiée à d'autres. Ne sois pas impeccable car personne n'est plus méticuleux que Jean. Ah ah, mais comme je l'avais dit, je suis le meilleur chevalier de cet endroit. Bien sûr. Payman, c'est parce qu'il a reconnu la puissance, le sérieux, l'efficacité que j'avais dans mes yeux. D'accord. Oui. On va aider Prince. On va aller sauver Prince. Je veux sauver Prince. Haha. Mais attends une minute. T'avais pas un chat sur toi? Quelle une mauvaise journée. Nouvelle? Quoi? Mais... T'avais un chat sur toi! Non! Bon, tant pis. Parler à Margaret? Mais si c'est... Ah oui, c'est Margaret qui a besoin d'aide. Hé, Margaret! Oh non, il y a Venti. Salut Venti. J'espère que t'as pas trouvé les chats, hein. Putain, il a trouvé le chat. Oh là 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 là. Comment ça, c'est toi qui as besoin d'aide? Mais vous faites chier, vous voulez tous de l'aide, c'est quoi ce délire? J'avoue, on a vu et entendu. Ah, sacré prince! Ah, mais tu le connais, hein! Ah, les chats comme ça, ils adorent voler et tout. Ha ha ha. J'ai hâte de voir Prince. Vous avez des airs de Barbatos, vous savez? Ah bon? Je suis flatté par la comparaison. Bon, retrouvons Prince. Oui. 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 Bah oui, hein? Hein, Payman? Ah, c'est vrai, t'as pas eu de chat dans ta vie. Quoi? Oh. Excuse-moi Barb, mais excuse-moi Venti, mais si t'avais pas fait ça, tu te ferais pas voler la balle comme ça. L'énergie animaux, c'est intéressant ça. Non, j'ai pas envie de me percer les yeux. Oh, mais Payman, j'ai pas envie de refaire ça. Mais bon, je le ferai pour Prince. Il adore le poisson.
Ouais, comme tous les chats adorent le poisson. Bon. Trouvé prince. C'est parti, je vais me percer les yeux. 1, 2, 3. Mon Dieu, je vois quelque chose. Vite. Ça brille. Vite. Je vais bien. Ah, mes yeux, c'est par où? Je suis parti trop loin, faut que je remonte. Je vois rien. Ah. Oh. Prince! Petit enfoiré, je vais te trouver. Je peux pas passer par les escaliers. J'arrive. Oh, il est tout noir, il est trop beau. Hé, hey, prince! J'ai un petit connard là. The fuck? Tu fous de ma gueule, il était juste devant moi. Je l'ai attrapé. Mais j'ai pas besoin de la pâtée. Hein. De la tape. De la pâtée. Bon, je vais me recrever les yeux. Oh. Ouh, toi, tu manques pas d'air, mon petit prince. Tu sais comment on m'appelle? On m'appelle le captureur. C'est pas ce que vous croyez, Madame Hélène. Moi, je veux juste chercher le chat. Regarde ça. Vite, tu es mien. Et voilà. Mais pas besoin de la pâtée. Je l'ai attrapé. Je suis moi-même un félin, donc je sais comment attraper les choses. Putain de merde. Toi, je te casse la tête. Hein? Alors, je vous jure, si c'est Venti qui dit qu'il a attrapé, je m'énerve. Laissez passer. Mushi se baladait. Payman, il était clairement juste derrière la maison en fait. Adorable. D'accord. Hein? Venti est allergique au chat. Venti est allergique au chat. T'aurais pu être plus explicite, Venti. On aurait fait ça à ta place. Sympa les animations, hein. Il bouge juste la tête, il n'y a même pas de mouvement de corps, de tchoum et tout le reste. En route. Maintenant, on doit aller aider Charles. On va faire des petits pas. Parce que je suis tellement sneaky et tellement fast comme ça. Oh! Oh non. Pas elle! Tout sauf elle, j'ai rien demandé. C'est donc pas maladie. Ok, Nimrod, j'ai compris. Non. Oula, elle m'a remarqué, elle m'a remarqué. Elle m'a remarqué, non. Non, non, le chien, non. Non, me suis pas. Arrête de me regarder. Faut pas qu'elle me remarque. Lisa, je suis pas là. Elle m'a remarqué. Oh non, pas le formulaire des impôts. Pourquoi? Mettre la main à la pâte pour Jean. Oui, on est en train de travailler pour elle. Si vous n'avez plus besoin de nous, on y va si vous n'avez plus besoin de nous.
Oh non. Qu'est-ce que t'as osé dire, Charles? Laissez-moi vous expliquer. Donc vous insinuez que votre commande a été attaquée et vous avez besoin d'aide, c'est bien ça? Aucun problème, frère. Aucun problème. Je suis le meilleur chevalier de Mondstadt. Raymond, bar, bière, vin, drogué, alcoolo. Tu piches maintenant? It came in at the last minute. Literally just a few seconds ago. Ok, d'accord. Charles dit la vérité. Merci de vérifier qu'il disait la vérité. Je vais voir ce que je peux faire ou j'y vais vous payer un verre. Non, je vais voir ce que je peux faire. Parce que sinon il va m'offrir un verre d'alcoolo et je vais pas être. Alors Lisa. Bon. Alors maintenant je dois aller parler à Ernest. Pourquoi Ernest? C'est qui Ernest? Oula non 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 non. Non. Pas du tout. Non. On va se calmer. Voilà. Finalement YouTube, tes recommandations de musique? Non merci. La détresse de Lynn, parlez à Lynn. Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé? Vite. Vite, nous devons connaître la suite. Hein. Vite. Ballon dirigeable. Oh, oh merde. Attends, il n'y a personne. Oh non. Les livreurs ont été tués. Vite, il faut que je sauve. Oh non, il y a une personne. Lynn, j'arrive, t'en fais pas. Je ne pèterai pas le ballon. Je suis là pour te sauver. Oui, alors comme je disais, t'as besoin d'aide? Mais tout est con. Mais j'ai compris en fait. Il est gros, normal qu'il soit long. Ta gueule. Une MD, ça fait une éternité, je vous attends. Tu me parles mieux là déjà? Ah, c'est Bruconitanus. C'est. En effet. Bien dit, Payman, on va buter ces brocombapulibus. Just as well. Then please escort this transporter to the end of the road. Quand tu dis par escorter, j'espère que je vais pas devoir porter la marchandise. And be careful with it. Just beating up the hilly churls is not the aim here. You'd better make sure the goods stay intact because I certainly don't have the mora to replace them. En parlant de ça. I'll be waiting up ahead. Ok, ça marche. Ça marche, ça me va pour moi. Oh, purée, attends-moi. La puissance de l'eau. La puissance du froid. La puissance du gel. Et claque, et je te claque, et je te claque. Et je te claque encore. Claque, claque, claque. Et claque. Pour le moment, le ballon est sécurisé. Claque, claque, claque. Clac, clac, et clac. Oh oh, des barrières. Oh oh, non. Non. Non, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Vas-y, brûle le truc, toi. Qu'est-ce que t'attends? Ah, il est si lent. Voilà. Oh putain non. Oh putain non. Hop, hop, hop. Toi tu crèves en premier. Ouh, what the fuck? Pourquoi tu t'es téléporté? T'as pas le droit de te téléporter frère. C'est de la triche hein. Le truc s'est téléporté mais... What? Bon, vas-y, brûle le truc. Ish, ish, ish. On va faire la meilleure technique, le tourbilol. Et voilà. On va pas toucher la marchandise. Oh oh oh. Je le reconnais ça, c'est des bombes. Et qui dit bombe dit boum. Alors,
Où sont les ennemis? Il n'y en a aucun? Bon. Boum. Ah, mais vous êtes au-dessus, bande d'enfoirés! Attendez, je vais vous faire descendre. Vite! Je te mouille, et je te congèle, et je te gifle. Aïe. Et je te gifle, et je te gifle, et je te gifle, et je te gifle. Et je te gifle, et je te gifle, et je te gifle, et je te gifle. Ah, j'ai un screamer. What? Le ballon dirigeable, il se téléporte aussi. C'est pas du jeu. Tapez pas. Ah, ils sont tous morts. Ok, je les ai tous one shot. Oh, merci Hansen pour ton follow. Ayo, Ar, c'est... Ayo, Ar, combien? Ah, Ar, combien? Bah, Ar, attends. Ar 35. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc, what the fuck? Mais Charles, tu sors d'où, là? Tu veux dire que tu nous suivais depuis tout ce temps? Bon, c'est pas grave. On a sauvé ta marchandise. Tout va bien. Je vais examiner ça et voler des fruits et légumes. Non, Farah, non, non, c'est parce que tu crois, Farah, je voulais pas... Non, 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 non. Donc, je disais, je vais voler des fruits et des... Putain! Donc, je disais, je vais voler des brins d'herbe et des radis. Et je vais reparler à Ernest. Comment vas-tu, Ensense? Attends, Ensense, est-ce que je prononce bien ton pseudo? J'ai pas trop envie de foirer les pseudos des gens. Merci l'ami, vous m'avez sorti d'un sacré pétrin. Je parlerai à mes collègues du domaine. Ok, d'accord, t'inquiète. Hein? D'accord. Quête terminée? Bon, alors il me reste encore. Oh non, cette fois-ci c'est Amber. Bon, ça va, Amber. Amber, elle est sympa. J'aime pas quand elle tourne la tête comme ça. Comme ça, tu pars tout de suite. Alors non, Amber, non. C'est moi le chevalier de mon stade. C'est moi qui m'occupe des problèmes de Jean. Elle, elle est malade. Elle se repose. C'est moi qui dois tout faire. Donc tu viens pas mettre tes petites mains dans mes missions. Non, elle n'est pas en train d'aider Jean, elle est juste en train de voler mon succès. Vu que j'étais dans mes meilleurs amis, j'ai look ce que tu faisais sur Twitch. Oh, bah écoute, hein. Bah sur Twitch, je fais du live. Des lives sur différents jeux. Bon, ce soir, c'est un petit live chill sur Genshin Impact. Mais peut-être après, je vais faire un petit making-of sur YouTube. Des meilleurs moments du live. Mais en général, j'aime bien faire du Friday and Funky Night et d'autres jeux. Hein. Même si j'avais demandé un vote sur mon serveur Discord sur ce que je fais comme live ce soir. Mais comme j'ai eu beaucoup trop de votes, c'est-à-dire une seule personne qui a voté, bah c'est passé sur du Genshin Impact. Ah, où est-ce que j'en étais? Ah oui. C'est vous? Oui, j'allais aider. Il n'y a pas mieux que moi pour aller taper du... Amber, tu sais que t'es inutile. Laisse faire le vrai chevalier. Exactement, Sarah. Le vrai chevalier. J'espère que t'as pas soupiré parce que je suis une merde. Ah non, d'accord, elle a soupiré parce qu'elle a des doutes sur Amber. C'est juste que je suis un peu débordé par toutes les commandes que j'ai. Quelqu'un a dit commande? Quelqu'un a dit Uber Eats? Paimon, ramène-moi le sac et ramène-moi la casquette. Je crois que toi et moi, on va devenir de super livreurs. Oh oh, un banquier en plus de ça? T'entends ça, Paimon? On va se faire de la thunasse. Vous êtes en cuisine? Non, non, pas en cuisine, je vais être le livreur. Really? You don't mind helping? Yes. Oh, that would be wonderful. Vous êtes vraiment l'ange gardien de ce restaurant. Par contre, je veux bien aider, mais uniquement si j'ai un an de repas McDo. Ah, c'est vrai, McDo n'existe pas dans cette merde. Un an de steak. Ou un an de steak frites, si vous faites ça. Yeah, well, those hilly trolls are going to be a handful too. Je crois qu'on me vole la vedette. Quoi? Amber, c'est toi qui es en train de voler ma vedette. Les brutaux canins qui claquent. Les monstres là, c'était moi qui étais censé les tuer. Et toi, tu voles ma vedette.
Moi, je voulais faire Uber Eats, je voulais pas chercher des ingrédients. Payman! Qu'est-ce que tu insinues par là? Vous êtes sûr qu'on peut faire confiance avec la carte? Les plats ne sont pas parfaits. Ne seront pas parfaits. Payman! Tous mes plats sont parfaits. Arrête de mentir. Je peux pimenter ton live, Genshin, si tu veux. Je suis à R57. Ouh, bah pas mal, à R57. Bah écoute. Ça me dérange pas que des amis viennent m'aider, mais comme je suis en train de faire des missions principales, les missions d'histoire, je pense pas que je puisse inviter du monde. À ce stade, je pense qu'on s'en fiche de la perfection, c'est la guerre. Oh, qui? Je proposais. La guerre! Payman, ramène-moi mon casque de viking et mon sac Uber Eats. Ça va être la guerre des repas. Trois fleurs sucrantes, trois volailles pour ce plat. Ok. Oui. Putain, Paymon, c'est un big succès là ce qu'on a. Il faut trois fleurs sucrantes et trois morceaux de viande crue. Viande crue. Ils ont dit de la veau, ils ont dit de la volaille. Mais non. Mais parce que je savais où aller chercher la volaille moi. Attends, je vais relire la mission parce que si c'est de la volaille, je sais où chercher. Trois fleurs sucrantes et trois morceaux de viande crue. Attends, est-ce que j'ai déjà ça dans mon inventaire, par pur hasard? Il me semble que oui, hein. Où est-ce que c'est déjà? Ok. Donc, ouais, j'ai de la viande crue et des fleurs sucrées, il me semble que j'en ai aussi. J'en ai beaucoup des fleurs sucrées. Ça doit être. Non. Fleurs sucrées. Non. Ah voilà, une fleur sucrante. Ouais, j'en ai masse. Bon, pour le fun, je vais quand même aller chercher de la volaille. Parce que c'est très drôle. Ouais, ça. Juste au moment où j'ai besoin de volaille, il n'y a plus de pigeons. Juste au moment où j'ai besoin de volaille, il n'y a même plus un seul pigeon ici. Ma blague est ruinée. Ça partira pas en montage, ça. C'est dommage. Bon, bah Sarah, je suis désolé, hein. Voici les ingrédients que tu voulais ajouter. Attends, mais tu te fous de ma gueule. Tu demandais pas de la viande crue? Je te comprends pas. Un coup, tu me dis, tu veux de la volaille. La quête me dit, tu veux de la viande crue. Ensuite, tu me demandes de te donner de la volaille. Mais what the fuck? Poulet mariné aux fleurs sucrantes. D'accord. J'en ai rien à foutre, Paymon, c'est moi le cuisinier ici. Oh. Cuisiner un poulet mariné aux fleurs sucrantes. Ok, ça marche. Est-ce que j'ai ça dans... Ah bah ouais, je l'ai. Alors attends, c'est qui s'est bien cuisiné? Donc, tenir un plat supplémentaire, que ce plat soit parfait, chance d'obtenir des plats rares. Plat supplémentaire, plat supplémentaire. Bon, vas-y, Rosalia, je te laisse cuisiner. Et c'est parfait. Et ça, c'était un bon petit plat. Any news on that sweet madame? That sweet madame, le voici. Tu m'en diras des One nouvelles. sweet madame received. Mais de rien, quelle est la prochaine commande? It smells pretty good. You have a knack for this. Just the person I need. Je sais, je sais. Je suis le meilleur chevalier de mon stade, hein. Fallait pas me le dire. You might as well take Un a délice sip de of viande aux my carottes au miel. sticky honey roast? I'm sure she's heard Amber and Kaya mention that's right. A mainstay of the Good Hunter menu. It's the knight's order at Ok. almost every time they come here for a gathering. Let me teach you the recipe for a sticky honey roast. Wait, didn't you say with your cooking skills? I don't. As soon as that sticky honey roast is ready, we can. D'accord. C'est parfait ça, cuisiner un délice de viande. Alors, on va voir.
Étape de préparation du délice de viande aux carottes au miel. Ça, c'est fait. Maintenant, comment est-ce que je peux préparer ça? Hop, cuisiner. Délice de viande, carottes au miel. Donc, qui demande la viande, des carottes et du sucre. Où le miel dans tout ça? Oh, les connards. Il n'y a pas de miel, en fait. C'est un prank. Oui, bien. Bien sûr, on sait tous que pour bien préparer le repas, il faut faire dans une marmite, mettre la viande crue, les carottes non coupées et le bocal de sucre. Le bocal de sucre contenant le sucre, c'est très important. Et avec ça, on va. Merde, j'ai personne qui sait cuisiner ici. C'est pas grave, je suis un très bon cuisinier aussi. Et c'est pas. Vous voyez, je suis trop fort. La cuisine, c'est mon métier. Et un délice de viande aux carottes et au miel, un. Mais tiens, prends-le. Tiens, mange. Tu m'en diras des nouvelles. Et ouais. Et ouais. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Non, Payman. Cuisinier un jour, cuisinier toujours. Amber. If you ever get tired of being an adventurer, there'll be a job waiting for you at Good Hunter if you want it. Alors, quand je disais cuisinier un jour, cuisinier toujours, c'était pas vraiment ce que je m'attendais. Journée de repos. Ah, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, Paimon, je t'ai coupé, je voulais. Non, je voulais savoir ce que tu voulais me dire. Bon, Barbara. J'ai besoin de te poser des questions. On est revenu. Je te retourne la phrase. Tu es épuisé. Ah bon. Donc t'es médecin. T'es pas une religieuse, t'es médecin. Jean has regained consciousness and should be back to her normal self soon enough. That's great news. Let's go and see her. But she just left the cathedral. I tried to tell her she needs more rest, but she wouldn't listen. Oh, sacré Jean, je vais la trouver, je vais la sommer. And kept saying she wanted to get some fresh air. I bet you she's gone to Lady Vanessa's place again. Dame Vanessa, c'est qui celle-là? Oh, that huge tree at Windrise? That place is dedicated to Monstead Les ruines de and Mondstadt. Vanessa. Jean goes there whenever she feels lost. Barbara, that's some pretty Ok. personal stuff. Jean, mentioned it to me, you know, before she left. Il a encore besoin de se reposer, non? Est-ce qu'on peut aller laisser se balader dans cet état? That's what I'm worried about too. But I still have T'as work plein to de do travail à with faire. her. Du travail, du travail. Go, Tout le monde a du Jean! travail à faire. I'll take over nursing duty for now. Ok. Great. That puts my mind at rest. May the amp En effet. Oui. J'en ai absolument rien à faire de ce que tu me dis. Tu comprends ça, Barbara? Tu comprends ça? Rien à foutre de ce que tu me dis. Ok? Bon, allons sauver Jean. Direction la statue des sept. Putain, des escaliers. J'en ai marre, il me spawn toujours sur les escaliers. Haha. On va l'approcher de manière. Pourquoi tous mes plans se foirent avec les cutscenes? Lady Vanessa, I hope your watch over Mondstadt remains unclouded. I do not know if I or the rest of the world, as you had hoped for, have become stronger. Jean, tu en fais un peu trop. Tu parles à un arbre, tu sais. Bonjour, Jean. Comment vas-tu? C'est ce que j'avais dit, Paimon, en fait. Much better. I was not expecting you to come here. Thank you for your concern. Oui, en Are you effet. sure? We saw you beneath the tree just now, leaning on your sword. It looked like you were struggling. Oui. Are you sure you aren't pushing yourself too hard? Vous pouvez toujours compter sur le soutien de tous les autres chevaliers. Tous les autres chevaliers. Ça me rappelle que
Le sale petit con nous a laissé la tâche de Jean ne nous a pas aidés. Alors vous pouvez plutôt compter sur notre soutien. Oh, le papillon qui gâche encore le cutscene. Casse-toi, papillon. Ah, mes yeux. Merci, votre attention me va droit au cœur. Tu veux un bon conseil, Jean? Je pense que Vanessa se reposait entre ses boulots. Oui, elle admire beaucoup l'arbre. Le papillon qui se balade tranquillement. Où est-ce qu'il va comme ça? Au revoir, papillon. Grande maîtresse de Lord Favonius, c'est bien compté. Ah, je vois. Vanessa était la grande maîtresse avant que Jean soit la grande maîtresse. Bien sûr, moi je serai le grand maître juste après ça, parce que étant le magnifique chevalier de Mondstadt, chevalier du Croc de Lion. Ah, il y a différentes sortes de chevaliers alors. Le chevalier au pissenlit. J'aime bien moi ce titre-là, chevalier du Croc de Lion. Je veux avoir ce titre. Oui. À ton avis, Paimon, pourquoi je l'appelle Madame Pissenlit? Je vais avoir le chevalier des crocs. Je vois. Alors je crois que, ouais, chevalier du croc de lion m'ira parfaitement. Parce que la douceur, je connais pas. Oui, en effet, je comprends la responsabilité dans tout ça. Vous êtes plutôt douce, Dame Jean. Je pense que Chevalier Pissenlit vous va bien. Non, Payman, je crois pas que tu penses la même chose que moi. C'est pas ce que je voulais dire, Jean. Qu'est-ce qui se passe, Jean? Qui est là? Ah, je suis sûr que c'est Dimitri encore. Putain, mais Dimitri! Mais t'es chiant, Dimitri, tu gâches toujours toutes les scènes! Alors, mon très cher Dimitri, je sais pas si t'es fort en maths, mais, ou si tu sais compter même, mais t'es tout seul face à trois personnes. Bon, t'ignores Paimon parce que elle compte comme un sandwich, mais t'es face à deux chevaliers. Deux grands chevaliers. Et parmi ces deux grands, t'es face au meilleur chevalier de Mondstadt. Hein, quoi? Oh non, me dis pas que c'est Dimitri qui l'a empoisonné. Ou alors on a une taupe parmi les chevaliers. Ça c'est bien dit, Jean. Ça c'est bien dit. Quoi? Quoi? D'accord, l'ennemi arrive en mode « Haha, j'ai attendu ce moment depuis si longtemps pour te battre, Jean. » Mais en fait, je vais bien. « Haha, mon plan est tombé à l'eau, je vais donc partir doucement et ne plus jamais revenir. » C'est tout ce que j'ai compris. Ah, elle tousse. Vous êtes sûr que ça va, Jean? Retournez en Mondstadt. Ouais, je m'occupe de lui. Non, tu retournes à Mondstadt. Hein. M'oblige pas de poursuivre. Vous ne nous faites pas quoi? Elle a pas de confiance en nous? Jean, je veux bien comprendre que tu sois motivé à aider la communauté de Mondstadt. Je veux bien comprendre que tu es la grande maîtresse. Je veux bien comprendre que tu as beaucoup d'admiration pour cette Vanessa là.
Elle s'appelait Vanessa ou Vanessa. Peu importe. Mais l'importance, c'est ta santé. Tu ne peux pas travailler si tu te sens mal. Et t'en fais pas. Tu as déjà donné beaucoup à la ville de Mondstadt. Maintenant, laisse la ville de Mondstadt t'aider. En retour. C'est pas ce que je voulais payer, mais en fait. Putain, Paimon, maintenant, à cause de toi, non seulement on va devoir chercher ce monstre, mais on doit aussi protéger Jin. Ça nous fait double boulot. Bon. Point de téléportation débloqué, pourquoi ça? Journée de repos, poursuivez les ennemis de l'ordre. Oula, attends, Jin, tu cours trop vite. Attends-moi. Jin, bordel. Putain, pourquoi elle court plus vite que moi? Jin, reviens. Jin, fais pas chier, Jin. Laisse-moi passer devant, au moins. Oh oh, mais que vois-je? Serait-ce un trou? Bon, bah, ok. Au revoir, Jin. Bon, Paimon, et si on allait retourner à la queue du chat et moi? Oh oh oh. Barbara va mouiller quelqu'un. Je le reconnais, ça, c'est... Eh merde, l'escalier. Hop. Mais non, c'est pas juste ça par contre. Comment je vais faire pour traverser ces escaliers? Il se passe quoi si je fais ça comme ça? Et ensuite, vite. Ah non, je peux pas passer par là. Putain, escalier de merde. On va grimper ça? Non, je peux pas. Eh, je me suis suicidé. Comme un con. C'est pas grave. Bon. De toute façon, j'ai pas le choix. De toute façon, je me suis dit aussi que si dans les donjons, je peux... Aïe. Donc, je disais, je me suis dit que si dans les donjons, je me fais avoir, C'est que maintenant que tu le remarques, Paimon, que je me suis fait éclater la gueule. Non, Jin, non, retire-toi ça de la tête. Je suis un tonk. Les tonks se prennent des coups. Les tonks adorent se prendre des coups. Je ne sais pas pourquoi, mais ils adorent ça. Non, Jin, tu restes derrière. Bien dit, Paimon, bien dit. Ta brise de pissenlit. Elle va nous jeter des pissenlits. Ah, pas les pissenlits. Hein? Oh, une salade. Oh là là, oh la prise de pissenlit. Ah, tellement de bons pissenlits. J'en ai avalé une. Oh, oh, oh. Ça c'est bon pour une attaque surprise. Yare, yare. Orewa Noël Sama. Oh shit, il m'a vu. Ah, aïe, 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 aïe. Oh non, j'ai tout foiré. Bon, vous savez quoi? Venez, suivez la petite fille, suivez la loli. Voilà, venez, voilà. Et yop. Et maintenant, sayonara. Je disais sayonara. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ça marche toujours le coup de la pique. Voilà, ensuite on doit passer par là. Porte de la résurrection activée. Comme si j'allais mourir, lol. Je meurs jamais. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'il y a un autre piège? Non. Il y a juste des escaliers. Je vais à les escaliers. Oh oh oh! Oh oh, tu es venu te battre avec moi! Isbra! 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 Ah, mais c'est vrai que toi tu es une espèce de con! Chiné! 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 Crève! J'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais crève! Voilà, vous avez plus de healer, maintenant vous allez tous crever! Hop! Alors, j'aime pas vos shields, donc je vais tous vous brûler! Vas-y, brûle! Brûler les shields.
C'est ça, vas-y, brûle le shield. Hop là, petite fonte, petit effet de fonte. Et zbra, petit effet de glace et de pierre. Et avec de l'eau, ça fait du gel. Et zbra. Je te pète la gueule, frère. Je te pète la gueule aussi. Et zbra. Et tu meurs. Tu oses me taper, petit con? Tu oses me taper? On tape jamais, Noël. C'est Noël qui tape en première. Oh, attends, il y a un petit secret là-bas. Je le reconnais, ça. J'aime les secrets. J'aime chercher des secrets. Vas-y, fais-le. Voilà, comme ça. Vas-y. Hop là. Eh merde, je suis trompé. Oh, Dieu merci, je voulais pas monter sur les... Je voulais pas monter sur les escaliers. Parfait, ça. Oh, oh. Pas parfait, ça. Hop. Vite. Ah non, j'ai raté. Non, je suis une merde. Non, je suis gelé. Je me fais bully. Je me fais bully par des slimes. Voilà, plus de slime. Okay, je dois repasser par là. Hop. Yep. Voilà. Et après, je refais tout le tour. Mais ça, c'est intéressant parce qu'il y a un truc qu'on peut casser ici. Et yep. Et j'avais raison. J'adore les coffres. Nous pouvons continuer la route. Nous serons beaucoup plus forts. Haha, mais je vois qu'il y a un autre secret ici. Qui est absolument rien. J'adore ça. Ah, c'est très sus ça. Ah, c'est une porte. J'ai cru que c'était un piège. Hop. Goûtez la fureur de mes flammes, votre purgatoire continuant. Pas qu'elle n'aura pas de brûler. Sérieusement? It's lolly time. Bonjour les grands méchants. Au revoir les grands méchants. Bon, next. Je suis sûr que Noël peut tanker ça. Vite. Bon bah, c'était pas si compliqué que ça. Hop là, hop là, hop là, et zbr. Oh mais attends. Brûler dans le feu, c'est beaucoup mieux ça. Hop là, et yit. C'était mon facile en fait. Oh, lolly time. Youhou. Bonjour les garçons. Vous voulez me suivre? J'ai un petit quelque chose à vous montrer. C'est très intéressant. Hop là. Et maintenant, sayonara. Je disais, sayonara. Sayonara. Pourquoi t'as pas compris le concept du sayonara? Sayonara. Motherfucker. C'est bon, il est mort. Ah, la porte est ouverte. Oh non, je vais devoir encore grimper un mur. Je peux pas grimper les murs. Bon bah, l'aventure se termine ici alors. À moins que... Pouf. Attends. Pouf, téléportation. Les escaliers me font jamais peur. Un coffre sus. Je me demande qu'est-ce qui va apparaître derrière moi. Hein? Bah ça alors, qui aurait pu en s'en douter? Hop. Descends de là toi, merci. De l'eau, de la glace, et un coup d'épée dans la gueule. Yit. Yit. Oh bah lui je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé voler. Hop. Alors toi, vous voulez brûler et moi je vais m'occuper de lui.
Évaporation, évaporation, méga AOE d'évaporation. Et maintenant, c'est l'heure du gel. Et maintenant, c'est l'heure de buter. Ish, 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 ish. Zbra. Qu'est-ce que tu dis de ça, mon petit mage de feu, là? T'es dans le mal, hein? Tu souffres. Petit con. Easy. Mon état est moins grave, Barbara est un vrai ange gardien. Oh là 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 là. Mais avoue que Barbara c'est ta sœur, bon sang. Ouais, je suppose qu'il est temps de se reposer à Mondstadt. Yes, I should at least go and thank Barbara again. I hope she is not upset with me. Mais t'inquiète, Barbara, elle est compréhensible. C'est ça, pars et laisse-nous le magnifique coffre qui est juste à côté. C'est de la merde. Je suis déçu. Tout ça pour ça, je suis déçu. Je me casse d'ici. Oh, j'arrive en mode sneaky. Elle va pas me voir venir. Je suis tellement sneaky que je vais lui faire une petite peur. Merde, j'ai été repéré. Mission failed. Master, you finally returned. The animal Archon protects you. Vous êtes enfin rentré. Swan, were you waiting for me? Has something happened? Mais non, j'espère que rien s'est passé. Yes, at the Angel's Share. Don't worry, it's nothing big, but. Ho ho, on s'en occupe. Dites de rester se reposer. Okay, I know I said it's nothing big, but. Alright, how can I put this? They just really need the acting Grand Master. Et pourquoi ça? C'est parce que je suis un enfant, c'est ça? J'ai l'air peut-être petit, mais je vais te dire un truc. Je suis majeur, et j'ai 24 ans, et je ne bois pas. Arrêtez de m'ignorer! It's fine. Now that I've had the chance to stretch my legs, I feel much better. Ok. Bon bah. Great. Thank you so much. You really saved me on this one. For goodness sake, what is happening to the world? Swan used to be the most honest fellow. Now he's dumping things on the team. J'avoue. Swan, tu me déçois. Et tes chevaliers, tu me déçois tellement. Well, Swan was clearly agitated. Maybe it is an emergency after all. Let's go and see what this is all about, shall we? Je te jure, si c'est. Attends une minute. Le buffet. Le buffet. J'ai peut-être une. Le repas qu'on a préparé, le buffet, la commande de ce soir. Venti qui doit jouer ce soir. La présence de Jean. Oh. Me dis pas qu'ils ont organisé une fête pour elle. Me dis pas qu'ils ont organisé une fête en son honneur. Et si c'est ça, je me. Si c'est ça, je suis un dieu. Si ça, je suis le meilleur chevalier de mon stade. Franchement, si c'est ça. Eh, mais attends-moi! Putain, tu cours trop vite! D'accord. Et c'est ainsi que ce fut la fin. Jean a disparu pour toujours. Ah, mais oui! Il y a aussi la livraison! La bouffe, la musique, le vin. Jean. Voilà, tout est clair. Jean va avoir une fête. Faites pas attention à Donna qui est en train de fangirler sur ce Diluc. Je le savais. Mais non. Et là, ils vont dire surprise. Mais putain, mais je le savais. Putain, mais je suis un Sherlock. Je suis Sherlock Holmes. Regarde-moi dans les yeux. Je suis Sherlock Holmes. Pas elle. Elle, c'est non. Moi, oui. Pas elle. A thank you party. Exactement. Comment je vais couper la parole? Oui, je coupe la parole à tout le monde. Ça me saoule. We take this chance to throw you a party. Enjoy yourself, Jean.
Kaya, t'es chiant. After all, you'll never let us do this once you're back at work. J'avoue. Oh, elle est timide. Mais Jean, mais défoule-toi, regarde, t'as des pommes. T'as de magnifiques pommes. Jean? Bon, je peux comprendre que la présence de Lisa te dérange, mais t'as de magnifiques pommes. Amber n'implique pas les choses. Exactement. This is just all such a surprise. Thank you, everyone. This really means so much to me. Mais de rien. Well, it's nothing compared to the amount of work you do for all of us, day in and day out. But there are so many things I still need to do. Comme quoi? Putain, Jean. C'est bon, je vais chercher la batte. Fear not. We wanted to make sure you could relax and enjoy yourself. So while you were away, we all pitched in and finished off your work for you. Every last task. Pendant ton absence, nous avons fini tout ce que tu devais faire. Il ne nous reste rien. Do you really? Even the issue with the food deliveries? À ton avis, food delivery, c'était du vin pour la fête. It was no different from what we see on patrol. A couple of hilly churls. Didn't take much to get rid of them. Classique. And the tax returns? Je vais pas parler pour ça. I spent so much time doing library admin. A few more pieces of paper to deal with was really nothing to worry about. Merci, Lisa. Well, what about Margaret's missing cat? Alors, comment dire que je lui ai fait un sale coup, que je lui ai sauté dessus, que je l'ai attrapé et que j'ai sauvé ce chaton. Are you kidding me? Vous vous rappelez même de ça? Ah oui, c'est qui? Merci Venti, ça me fait chaud au cœur. Enough already. No more thinking about work today. Enjoy yourself while you've got the chance. Yes. It is my honor to work alongside you all. Praise be for the Animo Archon's guidance. Magnifique. Speaking of work, it must have been hard work to put all this together. Where did you find the time? Les vacances? Actually, our friend here was the key organizer behind all of this. Attends, c'est moi l'organisateur? See all of this food and drink? He made sure it all arrived on time. Ah mais je le savais. Not only that, but he cooked each one of these beautiful dishes himself. Bien sûr, je le savais aussi. So relax already. There's no need to be so modest. Ceci explique cela. We also have Master Diluc to thank for the venue. Otherwise, we would be looking at quite an alarming bill right now. Dieu qui a pas du tout l'air amusé. Putain, surtout le regardez Kaya en mode putain, il me saoule ce type. J'ai invité tout le monde, mais j'ai pas invité Kaya. Qu'est-ce qu'il faut ici? Despite my initial reluctance to sponsor a Knights of Favonius event in any way. Alors, je savais pas que Diluc était ventriloque parce que je vois pas ses lèvres bouger, mais d'accord. I, like any other citizen of Mondstadt, owe Jean my gratitude for her hard work. Oh, c'est sympa. Oh, Master Diluc, I... All right. Jean's supposed to be taking it easy. Stop crowding her. C'est quoi qu'on mange? Agreed. Now, let the party begin. Yes. Et où la musique? Vous avez passé une fête agréable et joyeuse. Yes, c'est moi. Ah, je le savais. Oh, it is you. It is I, the Great Papyrus. Trompette script. Oui, c'est moi. Voilà où vous vous trouviez. Vous passez un bon moment. Yes, I am just getting some air. Mm-hmm. Après tout, t'es une améno. Améno. Anémo, connard. Anémo. Oh, c'est mignon. Moi, attends, je prépare mes mouchoirs. Ah, j'ai mon mouchoir. Merci encore, Hitler 4.
Ça a l'air d'aller mieux, non? En effet. Pourquoi je lâche des larmes déjà? Jap, qu'est-ce que t'as appris? Paimon, ne cache pas tout, s'il te plaît. J'ai davantage l'état d'un chevalier au pissenlit que c'est d'un chevalier au croc-lion. Exactement. C'est ce que je me tue à te dire. Oui. Oui, oui. Oui, continue. But it was the Dandelion Knight that represented her hopes for the future, a future belonging to the newly formed Knights of Favonius. Exactement. C'est pour ça qu'elle sera fière de toi. Vanessa watches over us, whether from high up above or from the wind all around us. Que le vent nous guide, en effet. Let the wind lead. The winds of freedom will guide us along the path that lies ahead. I hope you will continue to join us on that path. Et comment, hein? Je commence à kiffer cette aventure. Une semaine plus tard, je ne joue plus. Et c'est fini l'acte 1 de Jean. Je me suis bien amusé. C'était fun. Bah écoutez, hein. Ce live était plutôt intéressant. Revenir sur Genshin Impact, ça fait plutôt du bien. Et puis, merci d'avoir été là pour regarder le stream. Merci à toi, Ansense, quand même. Hein. T'es celui qui est resté le plus longtemps. J'espère que le stream t'a plu, en soi. Non, merci, Noël. Hein. J'ai pas besoin de thé. Allez. Merci beaucoup. Et puis, je te dis bonne soirée, hein. Et puis bonne soirée à vous tous. Et puis aussi bonne soirée à toi, YouTube.